que ça va? J'ai battu mon record. T'as oublié tes lunettes? Merci. Zoé, c'est ça? Tu travailles à la cafette, non? Désolée, c'est pas moi. Si, je te reconnais. C'est toi qui fais les meilleurs sandwichs aux boulettes de viande. Ton collègue, par contre, il est trop radin sur la marinara. Je travaille plus là-bas, en fait. Oh, désolée. Dis, ce que tu faisais sous l'eau tout à l'heure... Je peux te demander pourquoi tu retiens ta respiration comme ça? Il y a des gens qui méditent. Moi, je préfère couler au fond d'une piscine. Je veux arriver à tenir au moins 2 minutes. Waouh, ça a l'air un peu extrême. Pourquoi tu fais ça? C'est le seul endroit où je trouve un peu de paix. Oh, c'est... Il faut que je rentre. Écoute, je sais qu'on se connaît pas, mais je le sens quand les gens ont besoin d'aide. Il y a quelques années, ma mère est tombée malade. Je passais toutes les nuits à son chevet à l'hôpital, à me demander si elle allait s'en sortir. Et tout ce dont mes amis avaient envie de discuter, c'était les devoirs et les garçons. Et puis j'ai fini par me rendre compte qu'en fait... Il y avait toujours quelqu'un pour m'écouter. Ok. Peut-être. Demande à me voir. Mon nom, c'est May. Avec un Y. C'est noté. J'ai appelé ma grand-mère. Quoi? Pendant que tu changeais les plaques de la voiture. Je voulais prendre de ses nouvelles. Est-ce que tu lui as dit... Non, non. J'avais juste besoin d'entendre sa voix. T'es sûre que tu te sens prête? On va passer la frontière à pied. Je suis vraiment pas fan de rando, mais bon. Il faut bien que je m'adapte, hein? J'ai pas le choix, je suis une criminelle recherchée maintenant. T'es pas une criminelle, tu aides un ami, c'est tout. T'as suivi le procès Simpson? De quoi? O.J. Simpson, le joueur de football américain accusé d'avoir tué sa femme parce qu'elle couchait avec un serveur. Je regarde pas trop la télé. Enfin bref, tout le monde a une face cachée, c'est ça que je veux dire. Qui sait de quoi on est capable après tout? Si ça se trouve, on est tous des tueurs en puissance, en fait. Et les bonnes actions, alors? Ça aussi, on en est capable, non? Tu vois? Le monde a besoin de plus de gens comme toi. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les tueurs du Desert Dream qui ont cambriolé la maison du shérif de Turok avant de se réfugier dans le motel qui est devenu le théâtre d'une épouvantable... Attends, c'est toi qui parles? Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter. Moi si. Écrive Geralt comme un ado déscolarisé, discret et mal dans sa peau. On dirait que c'est un crime d'arrêter l'école. Holt est accompagné d'une complice, Vanessa Dorland, âgée de 16 ans, probablement armée et dangereuse. Si vous voyez l'un de ces criminels, appelez immédiatement la police et...
déforme complètement l'histoire. T'es pas dangereuse. Et moi non plus. Quand même. J'en reviens pas qu'on parle de nous aux infos. On va déjà essayer d'aller au Canada. D'accord ? Ouais. D'accord. Chargé d'intercepter les conducteurs alcoolisés qui reviennent du River Palooza. Alors, on faisait la bringue ? Non, monsieur. On est juste de passage. En provenance d'où ? On est de San Francisco. On traverse le pays. Drôle d'itinéraire pour ça. C'est pas une plaque de Californie, ça ? Oh, c'est la voiture de sa tante. Elle vivait dans le Montana avant de décéder. On vient rendre visite à son oncle. Enfin bref, il faut juste ton permis et la carte grise, et puis ce sera bon. Bien sûr. Un instant. Oui, j'ai mis ça à moi. Dans le Montana, c'est interdit de prendre la route sans permis de conduire valide. Je suis vraiment navré, monsieur l'agent. Il va falloir que je vérifie la plaque. Centrale, j'ai une plaque à vérifier. 3P2157T, immatriculée dans le Montana. Merde, il va capter d'une minute à l'autre. Quoi, encore ? Y a pas moyen de faire ça manuellement ? Il faut pas qu'on reste là. Je peux vous expliquer. La base de données est encore en panne. Il va être beau l'an 2000, c'est moi qui le dis. Bon, je vais me contenter d'un avertissement. Mais la prochaine fois, oublie pas ton permis. Entendu, monsieur l'agent. Allez, du balai. Coucou. Et alors, ce nouvel avion ? Ah, tu vas l'adorer. Il est beaucoup moins bruyant que l'autre. Dis, ça va toi ? C'était mon anniversaire dimanche. D'habitude, tu passes un coup de fil. Oh non. Je suis désolée, papa. C'est juste que... En ce moment, je... Tu veux faire bonne impression au travail, je comprends. Et si je passais demain midi ? On pourrait profiter de ces fameux sandwichs gratuits, t'en dis quoi ? Il risque d'y avoir un petit souci. Pourquoi ? Est-ce que tout se passe bien au travail ? Je suis super occupée, c'est tout. Mais mon chef pense qu'il peut m'avoir une promotion, alors... Waouh ! C'est... Zoé ?
Désolée, papa, il faut que j'y aille. Dites-moi que je suis réveillée cette fois. Allez, réfléchis, Zoé. Où t'as bien pu les mettre ? Qu'il est tard, mais j'aurais besoin d'une oreille compatissante. Je peux venir ? C'est-à-dire que j'ai comme qui dirait un petit souci, en fait. Quel genre de souci ? Monsieur Walker ! J'arrive tout de suite. Je vous l'ai dit. Je peux pas laisser mes locataires endommager les lieux. Et moi, je vous le répète encore une fois, j'ai rien abîmé du tout, madame. Monsieur Walker, j'ai vraiment pas le temps pour une autre dispute. Salut, mon vieux Zeus. Zoé, Dieu merci, te voilà. Tu veux bien expliquer à cette dame que j'ai le droit de jouir paisiblement de mon propre logement? Paisiblement? Vous avez vandalisé la porte d'entrée. Ok, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est entré chez moi et a volé mon portefeuille. Non. Vous avez égaré votre portefeuille et c'est vous qui avez cassé la porte. Zoé, il y avait quelqu'un. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre. T'as vu à quoi il ressemblait ? Est-ce qu'il portait un sweat à capuche noire ? Peut-être. Je me souviens plus trop. Normal, puisque c'est jamais arrivé.
Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé, moi. Ton grand-père est encore sorti de chez lui en robe de chambre. C'est la troisième fois ce mois-ci. Et quand monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés, il a enfoncé la porte pour rentrer chez lui. C'est n'importe quoi. J'avais besoin de prendre l'air. Alors je suis sorti me promener et j'ai vu quelqu'un et d'un coup, là je me retrouve à me disputer avec Shelby. C'est pas ça mon nom. Zoé, je sais que ça te fait de la peine, mais la santé de ton grand-père décline. Il lui faudrait un auxiliaire de vie ou une résidence médicalisée. Oh, ça va bien maintenant. J'ai besoin de rien du tout. Zut à la fin. Manifestement, on a tous les deux un avis très différent sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit payer pour cette porte. C'est pas la peine de le harceler. Et puis, c'est votre parole contre la sienne. Eh ben comme quoi, les chiens font pas des chats, hein. Elle est culottée, une résidence médicalisée. J'ai l'impression d'entendre ton père avec ses bêtises. Va pas le raconter à Shelby, mais je sais que c'est pas moi qui ai cassé ma porte, parce que j'ai toujours une clé de secours sous le paillasson. Sérieux? Tu trouves pas ça un peu risqué? Crois-moi, si tu veux dissimuler quelque chose, le mieux c'est de choisir une cachette bien en évidence. Et toi, comment ça va, ma grande? Quoi de neuf, alors? Moi? Ça va. T'as une petite mine. On dirait que tu viens de rentrer de la guerre. Comment ça va, le sommeil? Ça se passait bien depuis des mois. Et puis les cauchemars ont commencé à revenir. Et maintenant, j'ai peur de m'endormir. Ah, oh, Zoé. Ça allait mieux il y a quelques mois pourtant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est rien d'important. Je te le promets. Bon, et sinon, à part ça, le travail, ça se passe bien? Je me suis fait virer. J'ai été absente trop souvent. Et avant que tu demandes, non. J'ai rien dit à papa. Je voulais pas qu'il s'inquiète. Oh, peut-être que c'est pas plus mal, en fin de compte. Tu as toujours dit que tu voulais être journaliste d'investigation. Pourquoi tu passerais pas un diplôme, par exemple? Je sais pas trop, papy. J'ai qu'une envie, c'est de me réveiller sur une plage déserte, plonger dans l'océan, disparaître sous les vagues et ne plus refaire surface. Allons, allons. Croisons ton vieux papy qui a toujours essayé de fuir ses soucis. Où que tu ailles, tu emmènes toujours tes problèmes avec toi. Tiens, je vois plus ma tablette pour aller sur Internet. Oh non, les ordures. Je l'avais eue pour mes 74 ans. Ça te dérange si je fouille un peu? Avec un peu de chance, je trouverai qui a volé tes affaires. Vas-y, je t'en prie. Des livres de droit, de médecine... Ça date de l'époque où t'étais commercial? Commercial? Oui, tu m'as dit que t'étais... C'était pas ça, ton travail? Non, ma grande, à l'époque, j'étais un touche-à-tout, si je puis dire. Le seul vrai boulot que j'ai fait, en fin de compte, ça consistait à convaincre les gens que j'étais quelqu'un que j'étais pas du tout. Papy, tu prends tes médicaments? J'aime pas ça, ça m'embrouille les idées. D'accord, c'est toi qui vois. Papy, tu
Tu es sûr que c'est pas toi qui as cassé la porte? Comment veux-tu que je sois sûr de quelque chose dont je me souviens même pas? Ça t'arrive jamais d'aller dans une pièce et de te rendre compte que tu sais plus ce que tu voulais faire? T'as jamais rien égaré, rien perdu, toi? Tu sais tout ce que j'ai perdu. Je veux pas te perdre aussi. Shelby a raison. C'est de pire en pire. Les lieux, les dates, même l'école où j'allais. C'est comme si quelqu'un était en train d'empaqueter mes souvenirs dans des cartons sans prendre le temps de mettre des étiquettes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait? Je sais pas. Ne plus se replonger dans le passé, ça peut avoir des bons côtés. Tu dois sans doute penser que je me suis bêtement fait des films. À vrai dire, moi aussi, il y a quelqu'un qui me suit, enfin, je crois. Quoi? Tout à l'heure, à la piscine. Et ce soir, à l'appartement aussi, il m'a semblé voir quelqu'un. Mais je sais même pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'on perd la tête tous les deux. Bon sang. Zoé, écoute-moi. Tu as subi les pires épreuves quand tu étais petite. Perdre ta maman comme ça. Et je sais que tu te dis parfois que ça t'a rendue à moitié folle. Je suis au courant. C'est pas la peine de me le rappeler. Oui, je sais bien. Mais c'est ce que j'essaie de dire, justement. Je pense pas que tu sois folle, au contraire. Parce qu'autrement, eh bien, pourquoi est-ce qu'on verrait tous les deux la même chose, hein? Papy? Alors soit on perd tous les deux la boule, soit... Soit quoi? Oh non, c'est pas possible. Petit truc, et là, bam! Tout m'est revenu en quatre piquants. On fait vraiment la paire. Moi, j'essaie de me souvenir. Et toi, tu voudrais oublier. C'est pas que je veux oublier. Je veux juste arrêter d'y penser. Je sais pas quoi faire. Comment je fais pour échapper au passé alors que ça me hante partout où je vais? Je crois que la seule chose à faire, c'est d'oser affronter tes démons. Regarde les choses en face et essaie de les voir telles qu'elles sont. Si le passé te parle, il faut l'écouter. Et après ça,
Peut-être que tu seras enfin libre. Dû me couvrir un peu plus. On aura une belle vue quand on sera monté un peu. T'as déjà fait de la randonnée? J'ai fait les deux rochers de Turok une fois. Rigole pas, c'était hyper dur. Allez, on a un long chemin à faire. Je peux te confier un secret? J'avais jamais quitté l'Arizona. C'est pas que je m'en fiche. Mais redis-moi ça quand je serai pas sur le point de m'évanouir. Tiens. T'irais beaucoup plus vite si je te ralentissais pas. J'irais nulle part si t'étais pas là. Attrape mes mains. Beau travail d'équipe. Je comprends pas. J'ai froid, je suis trempée, mes jambes me font mal comme si j'avais fait du sport toute la semaine. Toi, on dirait le lapin de la pub, tu t'arrêtes jamais. C'est quoi ton secret ? J'avance parce que j'ai pas le choix. Ah ouais, tout bêtement. Bon, eh ben, c'est reparti. Waouh. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Avant, parfois, ma mère et moi, on allait se balader dans le désert, au crépuscule. Quand il faisait chaud et qu'il y avait assez de brume, le soleil donnait l'impression de tout embraser. Comme une immense boule de feu à l'horizon. C'était mieux que ça? Avec elle, c'était différent, c'est tout. Hey, attends, tu saignes? Mince, je m'en étais même pas rendu compte. Fais-moi voir. Voilà, c'est mieux. Heureusement, tu sais ce que tu fais. Bon, comment on fait pour passer la frontière? Il va falloir qu'on nage. L'eau doit être froide. Glacée même. Mais ça fait du bien. Ça donne un coup de fouet. C'est encore mieux que le café. Vanessa, tu es là? C'est moi, c'est papa. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as seulement la moindre idée d'avec qui tu t'es enfui, au juste? Il s'appelle Jay. Je suis au courant de ce qui s'est passé dans le motel. Et honnêtement, j'en ai rien à faire. Vanessa! C'est pas possible. Comment il nous a trouvés? Si t'es au courant, tu sais aussi que c'est un meurtrier. Il a tué des policiers, Vanessa. Il va être condamné à mort. Tu sais absolument pas de quoi tu parles. J'ai rien fait du tout. Ils ont raconté n'importe quoi. Écoute, je m'en fiche de tout ça. Je veux juste récupérer ma fille. C'est hors de question, papa. Cette partie de ma vie est derrière moi. Elle le laissera pas tomber. On s'en tient au plan de base. C'est fini pour toi, Jay Holt. T'es en état d'arrestation sur ordre du FBI. Je dois reconnaître que t'as bien failli nous échapper. L'agent du poste frontalier aura bien mérité sa paye aujourd'hui. Je suis venu avec toute une équipe d'agents fédéraux. Ta cavale s'arrête ici, Jay.
Je vous laisserai pas me condamner à mort. J'ai le suspect en l'écoutant. Ensuite, on fait quoi? La frontière est là-bas, juste derrière le lac. Il faut qu'on saute. D'aussi haut? Vanessa! Attends! Reste où tu es, papa! Si vous sautez, vous mourrez. Vous en réchapperez pas. Peut-être que si, vous en savez rien. Vanessa, quoi que tu penses de moi, tu étais ma petite fille autrefois. Tu as dormi contre moi. Tu as marché sur mes pieds. C'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Je vais te donner un indice. Jamais. C'est vrai. Je suis pas doué pour ces choses-là. Et plein d'autres, je le sais bien. Après la mort de ta mère, j'étais perdu. Je vous disais une chose, vous faisiez le contraire. Plus j'insistais, plus vous me détestiez tous les deux. Et puis, t'as mal tourné. Je sais que tu me vois comme un monstre. Pourtant, je t'aime, Vanessa. Si tu dis qu'on peut survivre, je te fais confiance. Mais on peut y aller maintenant, avant que je change d'avis. Ok. On saute à trois. Un. Deux. Attends. Papa. Oui, ma chérie. Dis à mamie qu'il y a un autre paquet de cigarettes sous l'évier. Non, Vanessa, fais pas ça. Non. Vous êtes sûr que c'est là ? C'est pas sur la carte des sentiers. Ça va aller. Merci. T'es même pas sûr que t'aies eu mes lettres. Une fois par mois, depuis mars. Tu sais que t'es toujours recherché par le FBI, n'est-ce pas?
Comment tu m'as retrouvé? Grâce au bureau de poste. J'avais le numéro de ta boîte postale. Ils m'ont aidé à trouver le reste. Les gens sont plutôt sympas par ici. Oui. En effet. T'as tellement changé. Je savais bien que t'avais grandi, mais dans mon esprit, t'étais restée la même petite fille effrayée. J'ai plus peur maintenant. C'est derrière moi. Tant mieux. Oui, c'est bien. Hey, viens t'asseoir. Il y a une chaise sur la terrasse. Et je te promets que t'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre. Pareil avant, mais je l'ai beaucoup vu. Ça fait bizarre de te voir ici. J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années. Ouais, c'est ce que tu m'as dit dans tes lettres. Moi, j'ai tout fait pour oublier la tienne. Mais j'y suis jamais vraiment arrivée. Oh. Et la fille avec qui tu t'es enfuie? Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Non, elle est partie. J'ai beaucoup de questions à te poser. À propos de ta vie et... Lance-toi. On m'attend nulle part. Elle s'appelait Vanessa, c'est bien ça? Je peux te demander ce qui s'est passé? On est restés 6 ans ensemble, elle et moi. On dormait dehors quand il faisait chaud. On se faisait la lecture au coin du feu de temps en temps. Mais j'imagine que la vie normale a fini par lui manquer. Je crois qu'elle habite en Californie maintenant. On aura au moins vécu de belles années ensemble. Tu sais, tout le monde te croit mort depuis que t'as sauté du haut de cette falaise. On a failli y passer. Je me suis évanoui dans l'eau. Vanessa m'a ramené jusqu'au rivage. Après ça, on a passé des semaines à marcher. On a eu pas mal de chance avec la météo, mais si on a tenu bon, c'est seulement parce qu'on était tous les deux. Je me souvenais pas que t'avais une cicatrice. Oh, je me baladais beaucoup au début. Un jour, je suis tombé sur une ours qui avait l'air blessée. Sauf qu'en fait... elle venait d'avoir des petits. J'ai retenu la leçon. Personne t'a jamais reconnu pendant toutes ces années? Ça a déjà failli arriver en ville. Mais je peux jamais être sûr de rien. Je remarque juste les regards des gens. J'évite de m'aventurer trop loin maintenant. La bibliothèque, le marché... c'est à peu près tout. T'as des nouvelles de ta famille? Non. Je crois que maman a quitté le pays. Je sais pas où elle est allée. Tyler a eu moins de chance. Il attend son exécution dans l'Arizona. J'ai échangé quelques lettres avec mon père au début, mais... il disait que c'était trop risqué pour moi. Alors on a fini par arrêter. Voilà, c'est tout. Il reste plus que moi. Dis, pourquoi t'es venue jusqu'ici, Zoé? T'as dit que tu voulais me parler? Je voulais que tu m'écrives. Mais t'es venu me voir. En personne. Pourquoi? J'arrêtais pas de voir ton visage. Dans mes rêves, dans la rue. Et? Et je savais que si je venais pas te regarder dans les yeux... tu pourrais pas tourner la page. Si jamais tu veux en parler, je suis bien placé pour comprendre. Et je suis doué pour écouter.
Cette nuit-là, quand tu m'as emmenée à l'étage et qu'il y a eu une coupure d'électricité. Tu te rappelles ? Bien sûr. J'avais aussi peur que toi. À ce moment-là, tu m'as dit de ne pas faire de bruit. Et depuis, c'est comme si j'avais jamais cessé de retenir mon souffle. Alors que tout ce que je voudrais, moi, c'est crier. Crier encore et encore, sans m'arrêter. C'était juste pour éviter qu'on t'entende. Les flics approchaient et... Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je sais. J'ai pas dit que c'était rationnel. Tu sais ce qu'on a en commun, tous les deux ? Le destin nous a pas épargnés, tous les deux. Et on a passé notre vie à essayer de faire avec. Au fond, on se ressemble beaucoup, toi et moi. D'une certaine manière. Jay, pourquoi tu t'es mis à m'écrire ? Je te l'ai dit. Il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler. Je sais. Mais pourquoi moi ? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit. Des fois, je vois le tien moi aussi. Après toutes ces années, j'aurais dû tourner la page, mais... J'ai jamais pu. Tu dois me détester. C'est normal, après tout ce que ma famille t'a fait. Ma mère. J'ai perdu ma mère cette nuit-là. Et combien d'autres ont perdu la vie? Ça m'a tellement bousillée que j'ai même pas fini le lycée. Je me suis fait virer de deux établissements différents parce que j'étais trop distraite. Et d'un coup, tu t'es mis à m'écrire. Et là... Zoé... Rien de ce que je pourrais te dire ne changera le passé. À l'époque, j'étais jeune, je savais pas ce que je faisais, et je réalisais pas à quel point ma famille était abusive. Mais peu importe. Après tout, j'avais 18 ans. J'aurais dû dire non. Mais j'en ai pas été capable. Je te demande pardon. T'as pas le droit de... Non, c'est pas aussi simple que ça. Sans doute pas. Mais ce que j'ai dû faire pour arriver jusqu'à cette cabane... Les gens que j'ai... Je pense à eux tous les jours. Le flic dans les bois. Et toi. Toujours toi. Arrête. Fais pas comme si ça te touchait. Écoute, si ça peut te soulager de me savoir enfermé, il y a une antenne sur le toit. Appelle la police. Je m'enfuirai pas. Une vie de mensonge, c'est pas ça, la liberté. J'en ai assez profité. Allez, viens, Roosevelt. On va se promener. Ma mère, c'était quelqu'un de bien. Elle méritait pas ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Mais je sais que c'était pas ta faute. Pas vraiment, en tout cas. T'es plus le gamin de mes souvenirs. Et je suis plus cette petite fille. Elle détestait quelqu'un, mais... C'est pas toi. J'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Tu t'attendais à quoi ? Je sais pas. Je me voyais... exorciser mes démons, en quelque sorte. Il va falloir que je me mette en route. Si je veux avoir le prochain bus. Et arrête de m'écrire, d'accord ? J'ai besoin de passer à autre chose. Je comprends, oui. Prends bien soin de toi, alors. Thank you.
vérité, c'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper aux ombres. On apprend simplement à leur tourner le dos et à regarder la lumière. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous parviennent à grandir, à changer ? Alors que d'autres voient leur séjour sur Terre écourté. Pourquoi certains d'entre nous parviennent à tenir bon ? Pas les réponses. Mais une chose est sûre, je ne fuirai plus les ombres. Personne ne me pourchasse. Personne, il n'y avait que moi. Salut Zoé, c'est Papy. Dis, je repensais à notre conversation de l'autre jour. Tu sais, je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons et... Il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ce jour-là, à Turok, quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route, j'avais une idée derrière la tête. C'était pas la première fois que j'allais là-bas, à vrai dire. Tout ce qui s'est passé après... le Desert Dream et puis tout le reste, je crois que c'était ma faute. Je t'en prie, t'es pas obligé de faire ça. Tiens-toi tranquille, ça vaut mieux pour toi, compris ? Il peut tout prendre, c'est un Turok, dans la...